Allez, c'est parti avec Centennial, présenté par Sébastien Mourier, du haras de la Clète, un cheval envoyé par le haras de la Hétraie, Pascal Nou, ce magnifique étalon, gris jeune étalon, fils de Dalakani. C'est d'ailleurs le seul fils de Dalakani, un héros de la Kazakh à Agakan, dont vous vous rappelez tous ses exploits, notamment dans le prix de l'Arc de Triomphe 2003, et ce sujet très élégant, très signé par son père, qui s'est présenté là. Un gagnant de groupe 2 en Angleterre, sur le circuit extrêmement compétitif des courses plates anglaises, en l'occurrence c'était les Great Voltigeur Stakes. Cheval d'une famille robuste, hein, c'est la famille de Croco Rouge, la famille aussi de Taipan, Sleepy Time, de robuste vainqueur de groupe 1 en Angleterre, et ce sujet très élégant. Et donc un fils de Dalakani avec un père de mère qui est un étalon très rare puisque c'est Lure. Alors quelques petits mots sur Lure, champion américain sur le mile, double vainqueur de la Breeders' Cup Mile, qui a fait la monte une saison seulement parce qu'il était quasiment stérile, son grand-père, mais un étalon très intéressant parce qu'il a eu le temps de produire Orpen, cheval très précoce, Orpen, et étalon, un des meilleurs étalons du parc français. Je vous rappelle qu'on commence directement avec le numéro 2, en l'absence du numéro 1, puisque des étalons, à l'exception de Ryoken qu'on verra tout à l'heure, mais des étalons du haras de la jumenterie de la rivière à Pompadour n'ont pas pu faire le déplacement en raison des conditions climatiques que vous connaissez.